Bonjour et bienvenue dans Jaftamer numéro 51, l'émission de l'association Équité Parentale avec Stéphane sur RLP depuis le Périgord. La semaine dernière, nous avons vu avec Stéphane T, l'auteur du blog c'estbonpapa.net, le déroulé de son affaire. Accusation mensongère de violence conjugale, bataille pour avoir la maison et les enfants, intervention de bénévoles associatifs pour l'exclure de la vie de ses enfants et aller les cacher dans des endroits glauques, sans procureur, sans police, sans rien vérifier, tout ça. 15 minutes d'audience au tribunal familial, impossible de porter plainte pour quoi que ce soit, hein, puis dans ces cas-là, les NRE... Non-représentation d'enfants, n'y pensez même pas, vous oubliez, les forces de l'ordre ne les prennent pas, et puis s'ils les prennent, de toute façon, elles pourrissent, personne ne s'en occupe jamais. C'est malheureusement une histoire caractéristique et assez répandue des problématiques rencontrées dans notre pays lors des séparations conflictuelles. Nous avons d'ailleurs plusieurs dossiers similaires dans l'association, et on en croise beaucoup, beaucoup trop souvent. Aujourd'hui, nous allons aborder avec lui la partie conseil, telle qu'elle se présenterait dans les permanences si celle-ci était encore ouverte. Parce que, effectivement, le soir avec le Covid, dans la maison des associations à Périgueux, eh ben, les permanences, elles sont fermées. Et puis, je crois que c'est pareil dans beaucoup de villes de France. Attention, c'est du vif, nous sommes sur des sujets brûlants et sensibles. Alors, je ne prétends pas être parfait, n'avoir réponse à tout, hein, mais dans ces cas-là, voici le discours que je tiens, qui est tenu, qui est celui de la majorité de mes collègues, de ceux qui font la même chose que moi, à droite et à gauche, hein, et de ceux d'ailleurs qu'on tient et qu'on porte dans l'association. Alors, essaye de garder l'accès à tes enfants quand, en pratique, tu n'as aucun droit, que tout le monde s'en moque, et que rien ni personne ne te défendra face aux calomnies, aux injustices et aux accusations. Voilà, c'est maintenant, c'est juste après ça. Voici maintenant le témoignage de la semaine. Le problème, c'est qu'on est là, nous sommes des pères contemporains, on s'investit dans l'éducation de nos enfants, on prend soin d'eux, et du jour au lendemain, on est traité, on est considéré, mais comme des moins que rien, et puis nous sommes à distance, et ça fait mal. Et ça fait mal. Et la douleur, elle est présente. La douleur, elle est présente. Et tout est soumis, en fait, à la toute-puissance de la génitrice naturelle. Hein. On en a suffisamment parlé ici. Qui va décider, en fait, si on a le droit ou non d'accéder aux enfants. Très souvent, l'accès aux enfants est soumis parfois à des petits chantages. Il faut faire ci, il faut faire ça, donner le papier, il faut être gentil, etc. Oui, on sent bien que elle est en position de force. Toute l'institution, absolument toute l'institution, les associations de bénévoles, les services sociaux, les juges, donc le système judiciaire, en fait, cautionnent cet état de fait. C'est-à-dire qu'en fait, tu étais quelqu'un... Je découvre. Tu découvres, mais c'est malheureusement bienvenu. Alors, toi, si tu veux, là, ils sont à la fois grands et pas grands. Donc là, ton petit, il a 10 ans et ta petite, elle a 4 ans, c'est ça? C'est 3 ans, oui. Bon, il y a vraiment un intérêt. Donc maintenant, si tu me permets, je vais te faire du conseil, si tu le veux. Oui, vas-y. Hein. Bon. Alors, oui, bien sûr. Alors, est-ce que madame a trouvé un nouveau compagnon? Oui. Bon, est-ce qu'elle a une situation qui est stable? Elle a recommencé à travailler, elle a un vrai logement? Elle est plus dans un hôtel à la gare? Alors elle a été logée au nord du département, très loin, le plus loin possible, justement pour éviter d'avoir une garde alternée. D'accord. Et donc, ils sont dans un appartement, je jugerais de correct, voilà, pour alors toi, ton intérêt, ton très très grand intérêt, c'est de réussir à garder un lien avec tes enfants. Il ne faut pas que tu casses le lien avec tes enfants avant l'adolescence, parce qu'il y a un risque, effectivement de les perdre. Hein. Il faut que tes enfants fassent l'adolescence près de toi. Qui veut dire qu'il va falloir déconflictualiser, même si elle ne veut pas. Il va falloir rentrer dans une position où, en fait, c'est elle qui a un problème, ce n'est pas toi. Je ne sais pas si tu vois où je veux en venir. Quand tu fais des passages de bras, tu ne descends pas de la voiture, tu ne fais aucun éclat de voix. Si c'est un peu tendu, ça sent le guet-apens, tu te fais accompagner. Non. Il ne faut pas qu'il y ait de crispation. Ah, oui. Il faut enlever les crispations. À partir du moment où tu auras réussi à enlever toutes ces crispations, ça prendra 3 ou 4 ans, parce que c'est comme ça. Malheureusement, on a un système qui encourage les flammes, et quand il y a beaucoup, beaucoup de flammes avant qu'elles redescendent, à partir du moment où les processus sont rentrés pour qu'elles redescendent, c'est un certain temps. Il va falloir que tu gardes l'accès à tes gosses. Plus tu mettras d'intervenants, et plus ça va être compliqué. Donc là, il va falloir doser, tu vois. Si tu demandes des enquêtes, des choses et autres, c'est bien. Mais en même temps, t'as des recours à la subjectivité. Moi, j'ai vu passer des enquêtes psychologiques avec 50, 60 erreurs dedans. Tu vois, le nom de la mère qui n'est pas le bon, les dates de mariage qui ne sont pas les bons. Tu vois, c'est le délire. Si vous vous bagarrez trop,
Si vous vous battez trop pour les gosses, les services sociaux vont venir, pompes à fric du département, ils vont toucher entre 200 et 400 balles par jour pour s'en occuper, ils vont vous dire conflit parental, ce qui est un motif de placement aujourd'hui, et puis ils vont les embarquer. Ouais. Donc il y a vraiment un intérêt à ce que tu expliques à ton ex qu'il va falloir arrêter de se battre. Je sais que c'est compliqué, mais c'est ton intérêt. Toi, tu n'obtiendras rien par la force. Aujourd'hui en France, en 2021, on ne peut rien obtenir par la force, par les dépôts de plaintes. Moi j'ai des cas de dépôts de plaintes où les gendarmes ont téléphoné pour demander 4 ans plus tard ou 3 ans plus tard. Est-ce que c'est vrai que la boîte aux lettres là a été défoncée, qu'on a pris votre courrier pour les jugements? Ouais, monsieur, c'était il y a 3 ans. Mais oui, c'est vrai. Ouais. Tu vois? Bon, donc là, effectivement. Mais je sais. Je donne d'ailleurs l'exemple sur mon blog où elle a déposé une plainte pour harcèlement qui a été traitée dans la semaine. Donc, je passais des heures pas possibles dans la semaine chez les gendarmes. Ouais. Mais moi, j'en ai déposé aussi une de harcèlement. Mmh. Hein, c'était en avril 2020. Mmh. On est maintenant quasiment en avril 2021. On ne m'a même pas appelé encore. Ouais. Et bon, j'ai un exemple. J'ai quelqu'un que je connais très bien qui a pris une dénonciation, enfin une plainte pour violence psychologique en 2016. Oui. Et ben, il attend que la plainte soit classée pour pouvoir faire une dénonciation calomnieuse. On est en 2021, elle n'a toujours pas été classée. Ouais. Alors qu'il a donné tous les éléments pour montrer que aujourd'hui c'est terminé. Il a été blanchi, tu vois. Mais non, il peut pas. Ouais. Donc en fait, il faut être conscient de ça. Alors, il faut faire attention parce que ce genre de choses, généralement, ça vient avec un gros pack. Hein. Ça s'appelle problème de travail, soucis de santé, dépression nerveuse, problèmes sociaux. Il y a un peu tout qui vient. Donc, il ne faut pas tomber malade. Il ne faut pas perdre son boulot. Il faut pas que... Et puis, il faut protéger les gosses. Les enfants, c'est Walt Disney, tu vois. En fait, les enfants sont moins malheureux que toi. Les enfants seront malheureux s'ils te voient toi malheureux, tu vois. Et très souvent, les enfants, lors des passages de bras qui se cramponnent aux parents, c'est parce qu'ils sentent que le père ou la mère, en fait, elle n'est pas bien. Donc, il faut faire super attention à protéger les gamins. Les gamins ne sont pas responsables de ça. Les gamins, ils sont au chaud, ils ont à manger, ils ont de la chaleur. Il faut faire attention à ça. Il faut, tu vois, c'est toi qui souffre le plus en ce moment. Donc, il va falloir que tu te protèges aussi, que tu protèges ton boulot, ta société. C'est pas maintenant qu'il faut fermer, c'est pas une bonne idée, parce que tes gamins, ils auront besoin de toi. Et puis, il faut que tu gardes accès à eux. Il faut que tu gardes accès à eux. Et malheureusement, garder l'accès à eux, ça veut dire réussir à rester à proximité jusqu'à qu'ils grandissent. Et puis après, tu as des choses que tu peux faire. Hein. Tu prends une boîte à chaussures, tu mets des choses dedans à chaque fois qu'ils arrivent. Pas dans le but de chercher la petite bête, mais comme tu es parti pour avoir, je pense, on va dire, aller une audience par an ou tous les 2 ans, dès que tu auras un changement, tu fais des petits gestes et tout, il faudra la convaincre. La petite a 4 ans, donc ça va être compliqué, mais dès qu'elle aura 5 ou 6 ans, tu demanderas un mercredi sur 2. Tu vois. Alors ça, j'ai déjà demandé, mais ça a été refusé. C'est trop tôt. C'est trop tôt parce que tu vas rentrer dans un rythme lent. Tu vas rentrer dans un rythme lent de une demande par an. Tu vois, il faut pas rentrer plus vite. Et tous essayer de faire que les pressions redescendent. Je n'ai pas de solution. Enfin, la solution rapide n'existe pas. Elle n'existe pas. Voilà. Tu me demandes d'audience. Non, dès que cette maison est vendue, que je déménage là-bas, je demande tout de suite. Je fais toujours une demande. Hein. Ouais, parce qu'il y a une modification des conditions. Mais pour faire la demande, il va falloir réussir. Tu sais, si jamais en face, ils arrivent en disant « Ouais, Dada, il a fait ci, il a fait ça », t'as aucune chance, tu vois. T'as compris ça, tu l'as vu ça. Donc il faut réussir à faire tes demandes. Mais c'est pas grave, je le ferai quand même. Et je comprends. Mais après, si tu as une façon de le faire, il y a Sancho Panza et puis il y a aussi, il faut réussir à atténuer tout ça. Il faut réussir à atténuer tout ça. Le meilleur papier que tu peux obtenir, c'est que c'est madame qui vit mal la séparation, alors que toi, t'es super zen, t'es super disponible, tu proposes ton aide, t'es un mec cool, tu vois ce que je veux dire. Ça, c'est le meilleur papier que tu puisses obtenir. D'accord ? Ce qui peut te desservir le plus, c'est monsieur s'énerve, il est pas content parce qu'il les voit pas assez, il secoue les portes, il veut téléphoner tout le temps. Attention, tu deviens un harcelant. Tu vois, non mais je caricature un petit peu. Non, je faut faire attention à ça. Je fais pas tout ça. Je lève pas la voix. Je veux dire, je suis pas insultant. Pendant le passage de bras. Alors, madame a demandé à ce qu'elle soit passée au commissariat de.
le passage de bras. Mmh. Donc à chaque fois, je me retrouve dans le commissariat pour faire le passage de bras. Voilà. Bon, bref. C'est pas plus mal. C'est pas plus mal parce que tu peux pas avoir un guet-apens. Et s'il y a un problème, tu as une personne assermentée qui peut témoigner. Prends-le de ce côté-là. Tu vois, moi j'en ai un qui a perdu ses droits de garde il y a pas longtemps parce que il est allé et puis qu'il est sorti, ça s'est un peu envenimé, il a fait des gestes de bras et la belle-mère du troisième étage derrière le rideau a juré qu'il lui avait mis une claque. Ah oui. Tu vois ? Non mais attends, tu vois pas, sais, pas les proportions que ça a pu prendre. Oui, je vois tout à fait. Ben voilà. Et ben ça, ça n'arrivera pas. Et tant que tu seras dans une ambiance où il y a ces risques. Et d'ailleurs, il faut sortir de cette ambiance, tu vois. Il n'y a aucun intérêt, absolument aucun intérêt à entretenir le conflit. Aucun. C'est le conflit est destructeur. C'est la grande ambiguïté, c'est qu'on a une boule au ventre, on a des envies, c'est des émotions super lourdes, c'est nos gosses, tu vois, on a envie de s'occuper de nos enfants. Mais en même temps, c'est contre-productif. Et ça, il faut arriver à gérer, c'est super difficile. Voilà. Alors... entre nous, j'ai jamais fait ça. Hein. J'ai jamais fait ça depuis le début. Voilà. Je veux dire, les passages de bras, je veux dire, c'est silencieux. C'est ta seule chance. C'est en faisant comme ça que tu auras plus de choses. Hein. Je veux dire, je vois pas l'intérêt de le faire, en fait. Et certainement pas encore en plus devant les enfants à un moment où il y a une rupture avec l'autre parent. Non, mais c'est par faiblesse. Une grande partie des faits divers où t'entends que monsieur a pris son arme de service et dans un aéroport, il a tué son ex et ses deux gamins avant de se tirer une balle. Tu vois ce que je veux dire? Il était dans des énergies, des émotions qu'il ne maîtrisait plus, qu'il ne contrôlait plus. Donc il a fait n'importe quoi. Donc il faut pas faire n'importe quoi. C'est pas le cas. C'est très important. Il faut pas faire n'importe quoi. Voilà. Absolument. Non, moi je me bats maintenant. Du seul moyen que je peux, c'est juridiquement, en fait. Hein, c'est tout. Hein, le reste. T'en es à combien, là? En un an et demi, deux ans, là? T'en es au moins à 6 000, là, non? Depuis que t'as commencé, en frais juridiques, t'en es à combien? Ah, tu parles de. Ah oui, oula, j'ai pas fait le calcul. Oui, ça doit être 6 000, 8 000, un truc comme ça, oui. Oui, tu vas monter encore un peu. Par contre, t'es en train d'y laisser la maison. La maison, elle va être vendue, tu m'as dit. Oui, absolument. Ton travail, ta société, elle se porte bien? Oui. Oui, c'est bon, t'as réussi à sauver la société, ça va. Bon, d'accord. Oui, pour l'instant, ça va. Quoi. Bah, il faut tenir, il faut pas parce que, j'en pense à plusieurs là, qui ont dormi dans leur voiture, tu vois. Ils ont passé des moments où ils dormaient dans leur voiture. Oui. Parce qu'en fait, tout s'est écroulé, la bombe était tellement puissante qu'elle a tout rasé, en fait. Ah oui, mais je comprends ça largement maintenant, hein. C'est sûr que... Il faut y passer, tant qu'on n'y est pas passé, on n'y croit pas. Et alors, se retrouver face à des gens qui vous disent « vous êtes une ordure », ben ça, il faut arriver à l'avaler, quoi. Ça, c'est compliqué. Ouais. Surtout quand on n'en est pas une, et que la justice dit après qu'on n'en est pas une, quoi. C'est ça, le pire. Oui. Le plus dur, c'est ça, c'est que ça a été largement diffusé, madame a largement diffusé ça autour d'elle, famille, amis, à la crèche, où je m'entendais très bien avec les filles de la crèche quand je venais chercher les enfants, etc. Ça a été le masque du jour au lendemain, enfin, ça a été affreux. Ah oui, non, mais tu verras à l'école, hein, et puis ça, il va falloir vivre avec. Hein. Bon, t'es pas à la campagne, ça va te sauver, mais t'en as qui sont en milieu rural régulièrement, t'as des parents, des amis de leurs enfants, des gens ici ou là. Hein, lui, il y a 10 ans, il a fait, mais non, mais il n'a rien fait du tout. Ouais, mais il n'y a pas de fumée sans feu et tout. Tu vois, c'est ça. Alors, écoute, globalement, quand même, je suis quand même agréablement surpris par le voisinage parce que, alors, les gens me connaissent un petit peu aussi, hein, donc ils ont quand même du mal, ils me le disent, hein, à croire tout ce qui a été dit. Vraiment, globalement et majoritairement, les gens ne sont pas tombés dans le panneau. Mais l'info était quand même là, et je veux dire, pour les gens qui me connaissaient pas du tout, le regard suffisait il équivalait à un jugement. Donc c'est affreux. Le jour où tu arrives sur une scène de concurrence avec, tu vois, pour un marché, pour un client, des situations de la vie un peu conflictuelles, un peu tendues, malheureusement, tu as une vulnérabilité maintenant. Voilà, donc il va falloir aussi se protéger par rapport à ça. Il faudra savoir que tu pourras prendre un scud, il faudra pas s'écrouler ce jour-là, il faudra réussir à l'encaisser, quoi. Mais voilà, pour quelqu'un, enfin vraiment, j'ai toujours eu des convictions anti-violentes. Hein, j'ai toujours dit à mon fils, et voilà, il n'y avait pas d'armes à la maison, même en plastique. Enfin, il y a toute une ambiance comme ça qui était installée. Et j'avais j'étais même pas féministe, mais je veux dire, j'avais une considération de la femme paritaire, quoi, et sans problème. Et du jour au lendemain, à voir des regards qui en fait me jugent à contre-pied de ce que je, de, de, des valeurs
valeurs que j'entretiens, c'est très violent. C'est très violent. Ouais. Bah, écoute, c'est très violent. J'espère que ça va passer. En tout cas, tu dis maintenant, il faut que tu rentres dans des rythmes lents, c'est-à-dire on ne répond pas. Alors ça, c'est pareil, c'est des choses que je dis tout le temps en permanence. J'en profite que t'es là parce qu'il n'y a plus de permanence avec le Covid là, parce que le soir, la mairie donne plus la salle. Bon. Quand c'est comme ça, donc je le dis bien à tout le monde, on reçoit un texto, on ne répond pas au texto tout de suite. On attend le lendemain. Ouais, on reçoit un email avec des machins, tout ça, on ne répond pas tout de suite. Si jamais on a l'impression qu'on commence à avoir les mains moites, il y a le cœur qui bat, on attend. On attend et on fait des réponses courtes. On devient un poteau, un igloo, un monsieur de glace qui est distant, qui est loin. On essaie de casser le rythme de rapidité. Tu vois ce système de ping-pong, on sort de ça. Il faut le faire redescendre. Il faut le faire redescendre. Ça, c'est pour l'intérêt des enfants. On va faire du sport, on chante, on casse des portes, on fait ce qu'on veut, mais pas devant les gosses, pas devant madame, avant et après les passages de bras. On élimine les crispations lorsque, malheureusement, il faut être en présence de personnes qu'on n'aime pas voir. Mais surtout, surtout, on ne rentre pas dans ces ping-pong qui font de l'Arsen, là. Donc, on va dans un rythme lent. Parce que, en cas d'accusation, on est présumé coupable et ça prend du temps. Oui. En cas de demande judiciaire, ben, ils n'ont pas d'argent. Ils nous consacrent 10 minutes, 15 minutes quand ils lisent nos pièces. Quand il y a trop de pièces, ils ne les lisent pas et ça prend du temps. Si jamais on se bagarre trop, les services sociaux, ils viennent et là, pour récupérer les gosses, ça prend. Donc en fait, le maître mot, c'est temps. Tout prend du temps, absolument tout prend du temps. Donc à partir du moment où on est rentré là-dedans, il faut rentrer dans des rythmes lents, vraiment lents. Ce sont des énergies très, 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 très lentes. C'est malheureux, mais c'est la seule solution. En attendant, mes enfants, ils grandissent. Absolument, mais ils grandissent, mais tu les vois encore. Oui. Et toi, toi, ton but, c'est de protéger ce que tu vois encore. Non, c'est super important, hein. Ton but, c'est de garder ce que tu peux encore réussir à avoir. Non, mais je sais que tu as une frustration. Mais là, de toute façon, je veux dire, après ce qui s'est passé, tu as bien douté. J'estime que j'ai déjà presque plus rien. Donc, tu comprends, c'est dur de se dire. J'ai un ami d'enfance, sa fille de 25 ans vient de lui envoyer un message par WhatsApp lui disant qu'elle ne veut plus le voir. Et ça fait plus de 10 ans qu'elle ne veut pas le voir. Et lui, il essaye parce qu'il n'a jamais réussi à encaisser que sa petite, là, qui avait des câlins quand elle avait 6-7 ans et qui est partie avec sa mère. Et ben il pouvait plus, tu vois, et ça fait plus de 20 ans qu'il lui court après pour se rattraper les morceaux. T'imagines ce que c'est? Tu pourras jamais arrêter de rattraper les morceaux. Donc maintenant, il faut que tu protèges ce que tu as à protéger. Et pour protéger ce que tu as à protéger, c'est garder le petit fil ténu que tu as. Si tu tires trop fort, ce fil il va casser. Il faut que tu les gardes en te disant que tes enfants souffrent moins que toi. Celui qui a mal, c'est toi. Hein, parce qu'on va quand même dire qu'on est quand même super nombreux à divorcer. Après, il faut prier. Il faut prier que le nouveau mec de ton ex, ce soit un type bien. Moi, perso, ça s'est bien passé. Je veux dire, mes parents ont divorcé, j'avais 6 mois, j'ai eu de la chance, j'ai vraiment eu du bol. Mon deuxième papa a été super. Par contre, mon père s'est remarié avec une nana qui ne me supportait pas, qui me savatait en donnant tout à ses enfants à elle. Donc, il y a vraiment des cas, ça dépend. Mais on est meilleur dans la gestion des divorces qu'à 30 ou 40 ans. Et ta solution, c'est d'expliquer à ton ex, il faudra à chaque fois lui dire que de toute façon, t'as pris pour perpète là. Hein. Moi, je vais pas disparaître. Hein. Il y aura des baptêmes, il y aura des mariages, on va se croiser, tu vois. Je vais pas de la moto sans casque comme Coluche, je vais pas disparaître demain, il y a pas de tueur à gages dans notre pays, donc toi et moi, on va rester là pour un certain temps, et donc on pourra pas faire autrement. Donc notre intérêt, c'est de le faire le plus soft possible. C'est notre intérêt à toi et à moi. Parce que sinon, on va dépenser tout notre pognon en avocat. Mais tu sais, c'est le discours, j'ai déjà eu, alors peut-être trop tôt. C'est le discours, ça met longtemps à percer. Ça met super longtemps à percer, surtout quand on est en position de faiblesse. Et que l'autre, en fait, il entend ce qu'il veut. Et que malheureusement, le fait qu'il n'y ait pas la résidence alternée par défaut fait que l'enfant reste un enjeu, qu'il y a un point de levier. Et que tant qu'il y a encore cette pulsion qui veut qu'on veut faire mal à l'autre, et ben malheureusement, c'est tellement facile de le faire. Tu vois, ça complique beaucoup. Ça complique énormément.
Mais toi, en fait, le père d'aujourd'hui, le père moderne en France aujourd'hui, c'est quelqu'un qui fait du zen. Il fait du yoga, tu vois, il apprend à encaisser, il devient partisan de la non-violence, puis il rentre dans l'acceptation aussi, tu vois. Je peux pas donner d'autre conseil que ça. Si tu veux sauver ce qui est sauvable, c'est ça. Oui, bon, ça, j'en suis conscient de tout ça. Ouais, c'est bien, et c'est bien qu'on ait pu le dire à l'antenne. Après, ton site, bon, il est, les gens n'y croient pas, mais ils ont qu'à aller voir. C'est monpapa.net, c'est monpapa.net. Il y a tout. Il y a les jugements, il y a la chronologie, il y a des. Ah tiens, t'as écrit au ministre, toi. Moi, j'avais écrit à Chiappa. Il y a les trucs et tout. Et puis, il faut savoir que demander une audience, c'est entre 6 mois et 3 ans, suivant les endroits. Et puis, qu'ils vous accordent 10 minutes. 10 minutes, quoi. Ouais. Entre 10 et 15. 15, t'as eu de la chance, ils ont pris un peu de temps. Et puis, toi, tu m'as dit qu'ils avaient lu tes trucs. Ça m'étonnerait parce que j'avais mis une lettre ouverte qui faisait 5 ou 6 pages. Ça m'étonnerait qu'il l'ait lu. Ouais, je sais bien. On a tous cette impression, on croit tous qu'il y a une intelligence supérieure qui nous regarde, qui va nous sauver, mais j'ai le regret. C'est parce que je pense qu'on croit en la justice. Dans un pays comme la France, on croit en la justice. On sait ce qui est juste. Et... Ouais, je sais, mais c'est naïf peut-être. C'est le ressenti qu'on a. Et surtout qu'on n'a pas affaire à la justice avant. Je veux dire, moi, c'est quand même la première fois que je suis confronté à la justice. Je découvre le fonctionnement et le. J'ai eu deux faces. Hein. J'ai eu un aspect qui était très positif lors des accusations, et un aspect qui était très négatif et qui passe par dessus l'épaule. Je veux dire, c'est 15 minutes pour une ONC, mais parce qu'il y a quand même des braves gens, compte, si tu veux. Lorsque t'es 3 pour gérer un département avec 2 demi-journées oui, par semaine. Oui, bien sûr. Mais j'imagine bien qu'il y a des problèmes d'effectifs, etc. Ah bah oui. Mais et ça, c'est une volonté. On en a parlé avec plusieurs experts de cour d'appel ici dans l'émission. On se demande si c'est pas quasiment un choix. Parce que, alors, il y a deux choses aussi que je vais rajouter. J'en profite que tu sois là pour le dire et pour le dire à tout le monde. Un, c'est pas pour toi, Stéphane, que c'est arrivé. D'accord? C'est pas exprès pour ta pomme. Oui, bien sûr. Ça, c'est super important. Tu vois, c'est vachement important pour ton estime de toi, pour ton intérieur. Le monde qui est attendu à le couloir, je me doute bien que. Et puis, si t'es passé par divers. On crache beaucoup sur l'Association nationale pour des raisons administratives, mais les animateurs des réunions de soutien font généralement un boulot absolument extraordinaire. Hein, c'est là-bas que j'ai appris aussi. Si jamais t'es passé par des comités de soutien et c'est une bonne réaction d'ailleurs, hein, quand on subit une grande injustice, il faut aller aider les autres et il faut aller voir des gens qui sont dans la même énergie que nous pour essayer de se remonter un peu, tu vois. Mais donc, c'est pas pour ta pomme. C'est pas toi qui as fait une bêtise. C'est pas toi qui as été mauvais. Bon, ben, on est extrêmement nombreux. C'est welcome. C'est une grande famille, quoi. Ça, c'est malheureusement une très, très grande leçon. Oui, parce que j'ai vu justement via la première partie que j'ai appréciée de la justice par rapport aux accusations qu'on avait les moyens de connaître les vérités, d'aller au fond des choses et d'en tirer les conclusions, les bonnes conclusions en fait, la vérité sortait. Voilà. Mais il y a des fois où là, c'était une expérience absolument affreuse. L'ONC, c'est un simulacre. Je veux dire, c'est pas un jugement. C'est la deuxième leçon. Franchement, c'est ça ressemble c'est pas à rien. Que le familial qui est n'importe quoi. D'accord. Moi, j'ai des cas d'enfants qui sont rentrés de l'école avec des traces de violences sexuelles, d'accord. Une expertise, des auditions dans le psychiatre qui confirment, et des trucs qui sont classés parce que l'expertise psychologique du père ou de la mère n'est pas satisfaisante, tu vois. J'ai des cas, je connais quelqu'un qui, par exemple, s'est fait agresser sur le parking d'un Leclerc. Par des gens, un accrochage de voiture et autres, le ton est monté, ils l'ont tapé dessus, ils ont mis des baffes, etc. et autres. Les gendarmes ont mis 7 mois à lui téléphoner. Ah oui.
tu vois. Ouais. Et puis, ouais. le récit de ce qui s'est passé était très différent de ce qu'il avait, écrit à l'époque. C'est pas du familial, ça. Tu vois, c'est pas du familial. Ouais, ouais. Oui, la justice est devenue un tapis vert de blackjack, de dés, en fait. Où tu lances tes dés, il peut se passer n'importe quoi. Et ça, c'est pareil en droit des affaires, c'est pareil en immobilier. La justice, malheureusement, a un énorme problème dans notre pays. C'est que, quand tu commences à être confronté de manière vitale, mais vraiment importante, tu te dis que ça va pas du tout, quoi. Que l'image que tu en as dans la vie de tous les jours, elle correspond pas à la réalité. Et là, t'as peur, quoi. Donc, c'est pas non plus que une famille qui est concernée, c'est un peu la baisse de niveau est générale, on va dire. Voilà. Après, on a des discours de ministres qui disent que les enfants c'est important, qu'il faut les protéger, etc. Mais ce qui les intéresse, c'est la télé, c'est les assises, c'est les grands procès. On en est à des années-lumière, là. Les grands machins, regarde Dupond-Moretti est arrivé durant l'été, il ne parle que des affaires médiatisées et de la télé. 70% des tribunaux, c'est du civil ou du familial, il n'a pas fait une déclaration sur ce sujet. Tu vois, il n'a parlé que des gros trucs qui passent à la télé et des gros machins qui font des gros titres. Et ils sont tous comme ça. Juste les affaires familiales, JAF, c'est quelque chose, un passage temporaire de début de carrière. Et que ce soit ces juges-là ou les avocats, ils n'ont qu'une envie, c'est d'aller aux gros trucs. Tu vois? Ils ont envie que de ça, absolument que de ça. Ils en rêvent, quoi. Ouais. Et les couches culottes, les baves dans la rue, les fumeurs de shit, tout ça. Enfin, les querelles de voisinage, c'est pas trop leur truc. Hein. Enfin, en tout cas, c'est pas géré correctement, quoi. Ça, c'est clair. C'est clair. C'est clair. Et pourtant, il y a des enjeux qui sont vraiment, ils sont vraiment très importants derrière. Et puis, il y a des drames qui se jouent. Hein. Ouais. Ok. Bon. Ça va aller, Stéphane, tu vas tenir? De toute façon, est-ce que j'ai le choix? Non, t'as pas le choix parce que tes gamins te regardent et puis un jour ils vont arriver et puis ils regarderont comment t'as géré ce que t'as fait. Et si dans 10 ans ils arrivent en voyant quelqu'un qui a plus de boulot, qui est en guenille, qui est par terre, ils n'auront pas une belle image de toi. Non, de ce côté-là, j'ai la tête sur les épaules. Hein. J'ai une force de caractère par rapport à ça, j'arrive. Mais c'est vrai que je me suis surpris l'année dernière avec ces histoires d'accusations d'avoir été allé aussi bas. Je ne pensais pas que ça pourrait m'arriver. Ah non, ça fait mal. Mais là, c'était vraiment très, très, très dur. T'es dans des choses qui font très mal, qui font très, très mal. Ouais. Alors, je vais le redire, tu vois, ce n'est pas spécialement pour toi particulièrement. Tu vois, on est assez nombreux à être passés par là. Et que t'aies eu mal, c'est normal. À la limite, c'est un signe de bonne santé, c'est que tu es constitué comme il faut, tu vois. Oui. Faut te dire ça, quoi. C'est normal que tu aies eu mal, quoi. C'est entièrement normal. Tu veux rajouter un truc? Non, écoute, rien de spécial. De toute façon, si je commence à aller dans les détails de mon histoire, on est pour jusqu'à demain matin. Il va falloir les oublier. Là, tu te places dans une perspective à long terme où il faut absolument que tu gardes l'accès à tes gosses jusqu'aux 15-16 ans de manière forte. Ouais. Pour les garder toute ta vie, c'est pas les prises de tête de l'an dernier qui vont avoir leur importance. Tu vois ce que je veux dire? T'es plus dans cette énergie-là, quoi. Ils sont passés. Il faut vraiment les laisser derrière et que tu te concentres sur tes petits, en restant la présence de loin bienveillante, sur laquelle ils vont continuer à se construire. Parce que si tu joues comme il faut, on pourra pas te les enlever. Tu vois? Si jamais tu fais comme il faut. Oui, ça sera le cas. J'espère juste que les juges suivront malgré la bonne conduite ou malgré le bon sens. Bah écoute, nous on fait ce qu'on peut de ce côté-là. Hein. On a failli. Ça monte tout doucement, mais c'est très lent. C'est très très lent. Au niveau législatif, c'est forcément très 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 lent. Et mais nous on essaie ce qu'on peut aussi pour ça. Ok. Ouais. Voilà.